circuit was quite dry, so it's no point running further because the feeling, you know, the rear guard. Et de retour pour la manche numéro 6 du championnat 1999 de Formule 1. On se retrouve donc à Montréal, au Canada, pour donc la course de Gilles Villeneuve. Alors, on va voir d'un petit peu les réglages. Je pense qu'on laisse tout par moyen. Tout en moyen, c'est pas mal. Permettra d'avoir un bon grip pour voir le sectendre. Rapport vite sont laissés en standard. Certes, il y a une énorme ligne droite, mais ça sert à rien d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'on arrive vraiment pas à fond à la fin de ligne droite, donc ça sert pas à grand-chose. Donc du coup, on va laisser par défaut, tout simplement. Donc on va partir directement pour les qualifications en espérant que ça va bien se passer. Le temps a l'air cool, ensoleillé, donc... Tracé sur une île, c'est l'un des circuits de Formule 1 les mieux situés. Avec ses lignes droites ultra rapides, suivies de chicanes, cette piste met les freins des voitures à rude épreuve. Et du coup, on va voir ce que c'est... Alors non, pas fin des qualifications, justement. C'est rejoindre la piste. J'espère que le jeu ne plantera pas. Écoutez, on va prier. Alors je suis revenu à l'ancien casque. Donc le son va redevenir un peu mieux, puisqu'en fait ça venait pas du casque mais du dongle. Donc je pense que ça devrait être ok. En termes de réaction sonore, en plus le son du jeu sera à un niveau correct. Puis on devrait avoir une voix un peu plus juste. Donc j'espère pour vous que ça sera parfait. Ce circuit de Montréal en 99 qui s'était pas trop mal placé, pas trop bien passé pardon pour certains prétendants. Et on pense surtout à Schumacher qui était en tête de la course et qui malheureusement avait abandonné en prenant le mur des champions, le fameux Bienvenue au Québec, dans la dernière chicane. Nous allons bientôt y arriver d'ailleurs. Et là, donc l'énorme ligne droite du Montréal qui avait changé, enfin qui a été modifiée après 94 avec les petites chicanes au milieu, mais qui de manière générale avait vu son tracé complètement changer. Il n'y a pas que la chicane qui était retirée ou ajoutée. Un gros freinage. Et c'est parti pour le tour de mise en. Enfin, le tour de chauffe c'est bon. On va partir pour la course. J'espère que ça va pas bugger. Hein. Franchement, ça va bien se passer. Je me suis complètement loupé. Et donc je me rends que c'était pris le mur des champions, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y avait aussi Zonta, je crois qu'il y avait je crois que Zanardi, il me semble, qui avait touché, ou une Sauber qui avait légèrement touché et cassé sa suspension aussi. Peut-être Démonine, je sais plus. Et ce qui est drôle, c'est que ça, c'est la course de 99. D'ailleurs, c'était Akin qui avait gagné, du coup, grâce à ça. C'était en 97, il me semble. Oui, c'était Villeneuve qui avait pris le mur des champions. Et c'est un petit peu dommage pour lui, parce que c'était quasiment la seule année, avec 96, où il aurait pu remporter la course chez lui. Va-t-il perdre le contrôle ? Non, j'ai pas perdu le contrôle, par contre, j'ai perdu du temps. Et un mur qui fait toujours parler de lui, hein, puisqu'il y a encore pas mal d'accidents. Je crois qu'il y a aussi Ralf Schumacher qui avait tiré bien tout droit à ce mur-là en 2000, voilà Williams. Et puis après, bon nombre d'autres pilotes. On pourrait pas les lister tellement qu'ils sont nombreux. Allez, deuxième tour, pardon. C'est parti. J'ai encore loupé. Alors ce qui est bizarre, c'est que vous voyez le fameux virage en descente où on rase le mur, là il est tellement large qu'en fait il n'y a aucune difficulté à être pris.
5 secondes de retard sur Michael Schumacher, c'est juste énorme. Écran en haut, j'avais pas fait gaffe. On a repris quelques secondes, on n'a plus que 2 secondes de retard dans le deuxième partiel. Et puis j'ai perdu moins de temps à leur accélération, donc ça devrait passer. Il y a moyen de gagner beaucoup de temps à la chicane justement, mais aussi moyen de bien se planter comme il faut, donc on va quand même faire attention. Et du coup dans ce deuxième tour, dans cette deuxième tentative, c'est le quatrième temps. Bah, écoutez, c'est pas mal. On va faire fin de qualification. Et on va partir 5ème sur la grille. Bah écoutez, c'est rare qu'on part aussi bien sur la grille de départ, donc on va en profiter. J'espère que ça va être une bonne course. Donc réglage de la voiture, je vais laisser par défaut. Pour moi, c'est plutôt bien. On va faire course directement. Et course, c'est parti. En pole position, Michael Schumacher. Près de lui se trouve Mika Häkkinen. Et en troisième place, nous retrouvons Eddie Irvine. En quatrième, David Coulthard. En cinquième place, Stefan Sarrazin. En sixième place, Heinz-Harald Frentzen. Septième place, Rubens Barrichello. En huitième position, Damon Hill. Neuvième place, Johnny Herbert. Dixième place, Ralf Schumacher. Onzième position, Jean Alesi. Douzième place, Pedro Diniz. En treizième place, Jarno Trulli. 14e position, Jacques Villeneuve. 15e place, Giancarlo Fisichella. 16e place, Alexander Wurtz. Et son tac est bien remplacé, Mika Salo. Donc pas mal. Belle cohérence en tout cas à ce niveau-là. 19e place, Olivier Panis. Ouais, Panis qui part très loin, qui a eu un grave accident en 97 d'ailleurs. Et cassé les jambes. Alors qu'il était 2e ou 3e du championnat à ce moment-là sur la Prost. Et c'est parti! Le départ, on part 5, on va essayer de faire un bon départ. Oh bah je dis ça, j'ai quoi qu'on loupé. Et du coup, dès le départ, on a perdu une position. Ça fait penser que si c'est Frentzen devant, le pauvre Frentzen qui était bien placé aussi, il va perdre les freins et va aller se planter juste au virage suivant là. On parle de précieux points à Jordan. Ah oui, là par exemple, normalement il y a un gros virage à droite puis à gauche. Et là, le virage à droite est quasiment inexistant. Ouais, je me fais déjà assoler par la Jordan. Alors j'ai l'impression que j'ai trop d'appui. Peut-être pour ça. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer. Ouais, en inspiration, il se décale à l'intérieur. Oh, le freinage. Mais bon, c'est passé. Ah, j'ai pas assez de vitesse de pointe par contre. Hein. Et là, ah oui, c'est la Stewart qui a dépassé la Jordan de Damon Hill. Oh, on a passé. Ouf, ouf, ouf. Ouais, du coup, là, c'est passé à pas grand chose. Ah, la chicane, je suis vraiment plus rapide qu'eux. Du coup on est bien remonté, attention à la McLaren qui nous bloque sur l'intérieur. Schumacher est toujours en tête. Et on a déjà fait le meilleur tour de la course. Va-t-il réussir à le dépasser? Bon, j'ai pas envie de faire. Et oh parfait, on est passé en 3ème position. Bah tiens, par Zonta, il a déjà abandonné. Il pourra se lancer cette fois. Il remonte rapidement derrière lui. Ouais, non, vitesse de pointe, c'est pas ça. Il réduit l'écart qui les sépare. Va-t-il réussir à le dépasser?
Ok, bon, pour le moment, même sur le podium, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est Irvine qui a perdu déjà une place ou deux. Oh, je suis pas dit trop large. On voit déjà le gouffre devant. Ah, c'est la section, je suis plus lent. Hey, attention. Ils sont en train de s'éloigner là les deux. On a combien de vitesse de pointe? 300. Ouais, là on est bridé, on peut pas aller plus vite. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Ouais, c'est bon, passé. C'est passé sur Hakkinen. Oh, Schumacher qui est complètement sur l'extérieur là, qui essaie de me bloquer. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il me bloque carrément. C'est bizarre, hein, des fois les gars freinent à des endroits totalement improbables. Pour l'instant, deuxième, je signe, il n'y a pas de souci. Va-t-il réussir à le dépasser? Ouais, le problème, c'est qu'à chaque fois. Si j'accélère trop fort, je suis trop sur l'extérieur. Oh! Le problème, c'est que je suis tellement obligé d'anticiper ce qu'il va faire. Et voilà, j'ai encore trop freiné. Ah, allez-y, abandonnez. Là, je peux pas passer. Là, c'est pareil. Merci Schumacher, quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est scandaleux. On dirait Hamilton en Malaisie. Alors, je crois que c'était en Malaisie 2009 ou 2010. Non, mais. C'est scandaleux. Mais c'est un scandale. Mon dieu. Et ça, c'est pas la défense totalement anarchique, quand même. Non mais je peux pas jouer à ça en fait, ça m'a tellement porté préjudice la dernière fois, même deux fois ça m'a porté préjudice. Je ne peux pas le croire. Il réduit l'écart qui les sépare. Il remonte. Ouais, c'est bon. Bon bah c'est passé à l'extérieur, mais alors là. C'est à l'extérieur, mais c'était vraiment vraiment chanceux. Bon, du coup, on est en tête pour le moment. Le problème, j'allais dire, c'est que j'ai plus de voiture pour me faire. Comment dire. Pour voir les distances de freinage devant, enfin pour. Et ben voilà. Il suffit que je dise ça. Et alors, on est parti à la faute.
Bon, c'est pas grave, on va quand même pouvoir remonter normalement. Et ils sont loin derrière quand même, le 3ème, 4ème, non, on les voit toujours pas. Bon, après, c'est comme si c'était à queue, hein, j'ai pas perdu non plus 20 secondes, mais. Alors, voir les positions. Schumacher, Sarrazin, Hakkinen, Coulthard, Irvine. On a déjà recollé le Schumi là. Que se passe-t-il? Un coup de théâtre? Donc, quand il a dit un coup de théâtre, je vois Schumacher qui est au ralenti. Je me dis, bon, s'il a un problème. Va-t-il réussir à le dépasser? J'ai l'aspiration. Il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Il remonte rapidement derrière lui. Il réduit les. Par contre, j'ai jamais vu un pilote aussi défensif sur sa ligne. Oh bah c'est bon, ça va passer à l'accélération cette fois-ci. Alors c'est que pour l'instant, on n'a pas eu d'avarie. On n'a pas eu d'abandon mécanique. On a un peu de chance, on va dire, à ce niveau-là. Il n'y a rien à faire, il y a quand même, j'ai quand même du mal à voir qu'on est en hard. On a pris la voiture la plus lente du jeu, quasiment, avec la Rose. Et on arrive quand même à être devant. Incroyable. Regardez le gouffre. Hein. Regardez le gouffre derrière. Entre le deuxième, le troisième, puis encore ceux derrière. Allez, encore deux tours à parcourir. Il a été au top tout le week-end et a vraiment mis toutes les chances de son côté. Bah écoute, merci pour le moment. Enfin, une cooldown. Pour l'instant, bah pas trop de. Pas grand chose, hein. Pas grand chose à mettre sous la dent. On est presque en train de rattraper même les pilotes de le 20e et le 19e. Ce qui va être intéressant quand même de voir, ça sera la course de Hockenheim. Parce que la vitesse de points, je pense que ça va pas mal jouer. Connaissant la défense de l'IA, je me dis. Ça pourrait être pas mal à suivre. Surtout si on prend pas premier. Relancer la course. Nous sommes à mi-course. Allez, c'est dernier tour. C'est dommage qu'il reste toujours 1 sur 22 parce que vu le nombre d'abandons, normalement il devrait y avoir peut-être 1 sur 19 ou 1 sur 18. Là on va à 22, mais finalement. C'est quoi, on loupe au freinage. C'est bon. Normalement, si tout se passe bien, on gagne.
Je dis bien si tout se passe bien. On va arriver sur le retardataire. Que se passe-t-il? Un coup de théâtre? Et voilà, et c'est le pilote Minardi qui va remporter la course du Canada. Espérons que je ne plante pas, s'il vous plaît. C'est là qu'on se rend compte que le cockpit est totalement n'est pas creux en fait. Si vous revenez en arrière dans la vidéo, vous vous rendrez compte qu'il y a un effet de reflet au-dessus de la partie où normalement il y a le pilote. Du coup, en fait, il n'y a pas de cockpit réellement dans le jeu. Alors, donc on a gagné la course. Du coup, devant Schumacher, Hakkinen, Irvine, Coulthard, Ralf Schumacher finalement, qui récupère le point de la 6ème place pour Williams. On va mettre le ralenti. En revanche, je vais donc, alors attendez, on remet le slot 2 parce que, voilà, on va sauvegarder là-dessus. On va faire donc continuer. On va essayer de voir le classement final de la course déjà, même si, bon, on sait déjà que c'est qui a fini 6ème, donc c'est pas trop intéressant. Il reste tout voir le classement. Classement pilote et constructeur. Donc les deux Jordan finalement finissent 7ème et 8ème, c'est bizarre. Jacques Vigneault 10ème, c'est plutôt correct. Fiquet 11ème est plutôt bien remonté. Et au niveau des abandons, bah, je pense qu'il y a Jean Alési, Ricardo Zonta à peine. Peut-être sur Yano Trulli ou Pedro da Rosa, je sais pas trop. Alors, Stéphane Sarana, nous sommes en tête pour le moment du championnat. 46 points contre 32 Michael Schumacher, du coup on a 14 points d'avance. Et Schumacher qui prend la large d'ailleurs sur Irvine. Les McLaren sont toujours aussi loin. Du coup, avec son point, Ralf Schumacher prend un petit peu l'avance et il reste 6ème au classement. On va faire OK. Côté constructeur, bon, Ferrari est toujours devant, ça va être très difficile de battre Ferrari dans tous les cas. 59 points, 46, on prend un peu d'air sur McLaren, c'est la bonne nouvelle. Donc il y a environ 49, il y a 13 points. Non, 59, 49, ouais, c'est ça, il y a 13 points d'écart entre Ferrari et nous. Et nous-mêmes, nous avons 11 points sur McLaren, donc à voir les prochaines courses. Et au niveau des autres, ben Jordan toujours en tête devant Williams et Stewart. Williams qui reprend un petit point sur Jordan, donc ben, ça va jouer entre les deux, je pense, hein, pour la quatrième place. Donc voilà. Alors normalement, si je me trompe pas cette fois-ci, ça devrait être le Grand Prix d'Autriche, ou le Grand Prix... Non, pas le Grand Prix d'Autriche, je savais pas que c'était pas ça. Le Grand Prix de Silverstone, peut-être? Ou le Grand Prix de France? Manicourt, voilà. Eh ben, ça sera Manicourt 99, on en parlera, c'était une course magnifique à l'époque en vrai. Donc je vous dis donc à la prochaine pour la suite de ce championnat 1999. N'hésitez toujours pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.